Il était une fois une petite fille qui a failli se faire dévorer par des animaux sauvages en pleine nuit. Une histoire digne du petit chaperon rouge raconté par un conteur africain à Cotonou, au Bénin. Enfants comme parents sont conquis. Au papa avec béton là, on sort d'autant. On court en voiture, vite on est dans Didiani. Zé Didiani, mon loup, on court dans Donaoya. Fait un bateau, portable bateau, ordinateur là, l'on nous. On sort d'autant. Tous les ans au mois d'août, le Bénin accueille la Nuit des Contes, une fête organisée par l'association franco-béninoise Mémoire d'Afrique depuis une vingtaine d'années. L'association Mémoire d'Afrique invite les conteurs professionnels à venir sur les places publiques pour faire les contes à la nouvelle génération pour que la tradition orale ne se perde pas dans les foyers. L'oralité, autrefois si importante en Afrique de l'Ouest, est une tradition qui se perd petit à petit. Alors pour les aînés, cette soirée est l'occasion de renouer avec des sensations oubliées depuis longtemps.